Bonjour! どうも皆さん、こんにちは。せいえんです。ひろくんです。本日は、ボーイフレンドタグのリクエストがあったので、ボーイフレンドタグを二人で一緒にやってみたいと思います。イェーイ！Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo entièrement en français. On va répondre 20 questions. Ouais. Boyfriend tag. Ça s'appelle boyfriend tag. Apparemment, c'est un truc qui est assez courant dans les pays anglophones et qu'on va répondre aux 20 questions. Voilà. Ouais. Alors, donc. Le premier. On lit une question chacun. Depuis quand êtes-vous ensemble ? C'est 2016. Je sais que c'est 3 novembre. À partir de 3 novembre. 3 novembre 2016. Voilà. Ça fait... Enfin, bon, voilà. Tout ça vient de moi, ouais. Deuxième question. Qui a fait le premier pas ? Alors là... C'est moi, je pense. Oui, c'est moi. Tu crois ? Ouais... Après, c'est toi qui m'as invité la première fois chez tes amis. Non, c'est l'inverse. T'es venu chez moi. Ouais. C'est ça le premier pas. Ouais, c'est... ouais, bah, c'est toi alors. Ouais. Quelle a été votre première impression? Bah, il est beau tout simplement. Moi aussi, j'ai trouvé très belle. Voilà. Tout simplement. C'est moi. Ouais. Ouais. Avez-vous des traditions? Pourquoi je tombe dans une question? Je pense que ça veut dire des traditions entre vous, tu vois, entre nous. C'est quoi la tradition entre nous? Bah, des habitudes. Enfin, je pense que c'est ça. Je pense. Ouais, je pense qu'on a des traditions. Traditions, ouais. Je saurais pas trop dire quoi, mais on a des habitudes communes, tu vois. Bah, par exemple, au niveau de Clovis, tu vois, on a des traditions sur comment l'appeler, comment faire quelque chose avec lui, ou je sais pas, tu vois. Oui, ce genre de choses. Oui, surtout toi avec Clovis, peut-être. Ah, d'ailleurs, Clovis, c'est lui. On a tous les deux. Clovis, c'est lui, notre petit chat. Le Clovis. Ça, c'est Clovis. Oui. Le quatrième. Oui. Ouais. Êtes-vous parti en vacances ensemble et où? Plein d'endroits différents. Ouais. On est déjà allé à Taïwan, au Japon, en France, en Allemagne aussi. Ouais. Voilà, un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. Ouais, ouais, plus ou moins. Ouais, l'Asie et l'Europe, on va dire. Ouais. Et puis en France. En France, oui, on a visité pas mal d'endroits. Ouais. Surtout Bretagne, la Loire, le sud de la France, on n'est jamais trop allé, à part vers Annecy, tout ça. Qui a dit « je t'aime » en premier ? Je me rappelle pas, mais... Je sais pas, je me souviens plus du tout. Je dirais c'est peut-être moi, mais je sais pas. En même temps, je n'ai pas l'habitude, hein, je pense, au début de dire « je t'aime » en français. Je pense aussi. Ouais. Vous sortez manger au restaurant, comment va-t-elle s'habiller? Ça, c'est tellement une question américaine, je trouve. Chauffe pas. Restaurant, c'est un truc, tu vois, qu'on s'habille. Non, moi, je sais pas. Tu t'habilles bien un petit peu, je pense. Moi, je m'habille juste... enfin, un minimum correct, je pense. Ouais, enfin, pantalon correct, avec un t-shirt correct, et un pull correct. C'est ça. Je sais pas comment on peut expliquer ça. Quelle est la nourriture qu'il n'aime pas? The cat. ce que t'aimes pas. T'aimes beaucoup de choses, donc... Ouais, c'est dur. Ouais. Trouver un truc que j'aime pas. Attends, vas-y, réponds déjà, moi je vais réfléchir. Déjà, moi je sais qu'il aime pas les endives.
Et tout ce qui est des choses un peu amères, amertume. La nourriture, certaines nourritures japonaises que j'adore, par exemple le natto. Et t'aimes pas non plus tout ce qui est des intestins, les abats. Des abats, oui. Pas trop les abats. Toi, attends, du coup. Franchement, j'aime tout et n'importe quoi, donc je pense que même moi, j'ai du mal à le trouver. Ah, mais j'ai un truc dans ma tête. Ah, vas-y, dis, j'arrive pas à le trouver. J'aime pas trop céleri. Ah ouais? J'aime céleri rave par contre. D'accord. Mais j'aime pas trop céleri de plante. Quelle est sa boisson préférée? En vrai, j'ai l'impression que tu connais plus ta. Tu réponds plus facilement aux questions parce que moi j'explique mieux. Je communique mieux sur ces choses-là, j'ai l'impression. Non? Bon? C'est quoi ma boisson préférée? Je sais que t'aimes bien le vin. Au niveau de l'alcool, rhum, absolument. Le vin, c'est aussi de l'alcool, mais ouais. Ouais, sinon, le soft drink, on va dire, tu aimes quand même Coca. T'aimes quand même le Coca. Ouais, mais après, en vrai, j'en bois jamais comparé à certains. J'aime ça, mais parce que j'en bois jamais, on va dire. Et non alcoolisé? Non alcoolisé, du thé peut-être? Ouais. Du thé, ouais. Franchement, vin, rhum et thé. Ouais, vin, rhum, thé. Bah, toi, tes boissons préférées? Bah, le café. Ouais. Je pense. Ouais. C'est vrai, ouais. Après, sinon, t'aimes bien les alcools, mais je sais. Ah, si, le vin blanc, plutôt. Non? Non, j'ai pas la préférence entre vin rouge et vin blanc, ouais. Sinon, j'ai pas l'impression que t'as un alcool préféré. T'en as un? Mais je préfère au niveau de d'alcool fort, je préfère quand même du rhum, ouais, comparé aux autres. J'ai pas trop de préférence au niveau de nourriture, en fait. Ouais. Ouais. J'accepte presque tout, ouais. C'est quoi cette question? Vas-y, vas-y. Quelle est sa pointure de chaussure? 36-37. C'est ça? Ah oui, d'accord. J'ai eu bon? Je suis pas sûre. Je sais pas, en fait. Je sais pas la pointure. Pointure de chaussures. Parce qu'au Japon, c'est 24,5 mois. Mais là, tes chaussures françaises, t'as pas regardé? Je pense que c'est 36, entre 36 et 37, ouais, c'est vrai. Je crois. Et moi, je te dis combien? 43. Attends. Bah, on a cherché ensemble. Je suis même allé des magasins pour toi pour trouver un bon taille. 41. Attends. Si tu, je te le dis. Attends. 47. 47, c'est un peu trop grand, mais ça se peut. Ah, se peut. C'est 46 2 tiers. Non. Oui, c'était ça, je crois, la dernière fois. Non, en général, c'est 45-46, mais ça, ah bon, ça arrive que ça, ouais, ça 47. Hein, selon moi, de quelle couleur sont ses yeux? Noisette, marron. Moi? Ah non, ouais, toi? Non, c'est brun, non? Enfin, noir, brun. Ouais, c'est plutôt noir, mais bon. Noir, enfin, un truc foncé. Marron très foncé, c'est vrai. Marron très foncé, mais... c'est brun. What? J'ai les lentilles. C'est gris, jaune au milieu, je sais pas. Dites-moi, et moi? C'est... Question piège. T'as pas le droit de regarder. Bleu, gris, on va dire. Ouais. Bleu... Ouais, j'aurais dit ça, moi aussi. Quelles sont ses musiques favorites? Toi, c'est la musique japonaise.
un peu J-pop, mais avec une chanteuse japonaise préférée, je la connais, mais je connais pas son nom. Ouais. Mais je sais qui c'est. Enfin, je reconnais son style musical quand tu l'as amené. Ouais. Alors, Moi? toi, je pense, toi, c'est la musique française et vieux musique française. Non, non. Les chansons à texte, on appelle ça. Ah ouais. Ouais. Genre Jean Ferrat, Charles Aznavour. Ouais, Aznavour, Gainsbourg. C'est vrai, c'est vrai. C'est parmi Un petit mon peu, ouais. style préféré, je pense. Ouais. Après, T'écoutes quand même beaucoup, je trouve. ouais. Ouais. Après, Après, j'écoute beaucoup de styles différents, donc. ouais, il écoute pas mal de background music. Comment ça s'appelle? Le soundtrack du genre Civilisation musique de 6. Civilisation 6. Moi, je trouve c'est plutôt des musiques, enfin Civilisation 6 et tout là. De C'est des jeu, musiques non? du monde un peu, c'est des musiques culturelles quoi. Ça j'aime bien. Ouais, ok. Quel est ça ou son meilleur ami? Alors là. C'est quoi cette question hyper gênante? C'est qui mon meilleur ami selon toi? Donc on va dire il a deux meilleurs amis. Et un qui s'appelle Après les collègues. c'est Mesto. Comme ça. Hein? C'est Mesto. Mestol Village. C'est Mestol Village. Moi aussi. Big up à Mestol Village. Et un autre meilleur ami de ton travail. Ouais, mon travail. Ouais. Je sais pas, t'as pas. Est-ce que t'as une meilleure amie ou t'as plusieurs meilleures amies, tu vois? Ouais, mais là, ils disent la Soit meilleure t'as. Si amie. t'as une meilleure amie, je pense pas que je la connaisse. Je pense qu'elle est au Japon et que je l'ai pas vue, non? Moi, je pensais plutôt Thierry, mais. Ah, bah oui, je Ouais. comprends, oui. Quels sont vos points communs? Communs. Commun. Communs. Ouais. Nos points communs, La langue. alors, ouais, on étudie des langues étrangères, notamment le chinois. Ouais. On aime les animés. Gros point commun, je pense. Bon, on a plein de petits points communs, en fait, je trouve. Bon, par exemple, Ouais. on aime bien l'alcool, enfin, les alcools. On s'intéresse aux pays étrangers. On aime bien manger. Ouais.